Qu'est-ce que tu peux faire contre l'amour? Ah ouais, mais non. Bah si. Je crois que j'étais un enfoiré sans cœur dans la série, mais non, je n'ai pas aimé ces personnages. Non. Ah ouais, mais non, elle est magnifique, Ribrienne. Ribrienne, elle est maigre, et quand elle s'énerve, elle devient grosse. C'est le rêve de toute une vie. Ah, Monaka. Monaka, ce serait stylé. Ouais, mais Monaka, il est trop balèze aussi. Il y a un petit Yajirobe du futur, hein. Moi je suis là aussi. Hein. Avoir Tapion, on a déjà un personnage avec épée, avec Trunks, donc je pense pas. Ouais, Lunch, c'est... Mais elle se tape pas à haut niveau, tu vois. Alors que Harale, elle défonce Vegeta dans la série. Il y a Vegeta, il est dans le jeu alors que c'est son petit. Donc ça veut rien dire. Alors, vous ne voyez pas, mais il y a Guac.fr Sylvius. Qui va se taper contre White Black, hein, le grand favori du tournoi, hein, c'est lui. Hein. Mais, comment ça? Il avait réussi à le tuer au dernier tournoi, le tournoi Glory for Gamers, et il avait réussi à le tuer, Sylvius, il avait tué White Black, et il avait perdu contre Overgames après, le grand Overgames, immense, magnifique, le bœuf de nœud. Et bah du coup là, revanche, White Black va-t-il réussir à... Et ils ont censuré Sylvius, c'est ça. White.fr, c'est ça, on est censuré, on nous bannit. Voilà, c'est ça, on nous met de côté, on nous ostrasie. Ça se dit ça? Je sais plus. On ostrasie, c'est un pays, l'Austrasie. L'Australie. C'est pareil, c'est à côté de l'Autriche. Hop, allez. Première ouverture pour Sylvius, qui en mène le point, il fait le loop là. Oh, c'est les portes de White Black, mais il a réussi à faire le point. Et il a voulu taper derrière l'assist, grave erreur. Oh là là. Ouais, ce qui est fort avec Gohan, c'est ce que je disais, il a un coup qui tape bas, donc tu dois te protéger baissé. Et lui, il a debout. Et en fait, pour dégager les mecs dans le pressing, tu dois faire arrière spécial. Là, ouais. C'est le truc qui dégage. Mais ce truc arrière spécial, tu peux pas le faire baisser. D'accord. Donc il faut que tu te lèves. Mais si tu te lèves et qu'il t'a fait le lot debout, bah. Et après, t'emmènes en l'air, quoi. Il a touché en hit, et donc s'il a touché en hit, bah. Il te tue. Donc c'est là où c'est fort vraiment d'avoir un lot debout dans ce jeu. Et Sylvius qui joue donc. Ah, il joue Piccolo. Le team Guac.fr, vu qu'il a un perso rose et un perso vert. Hein. Donc il respecte le lore. Hein. Pour l'instant, voilà, il y a toujours une phase, c'est le premier qui perd un perso. Oh, ce Vegeta. Oh oui, c'est passé. Tue-le, moelleux. Le moelleux. Oui, hop, ok, relaunch, stretch. Hop, Zuber, une dernière, bien sûr. Ça tue. Et le Goku. Donc là, petit avantage à Sylvius. La boule lente, petit dash. Oh, la chope en bas, il est magnifique. Hey. Boule, super, non, il super pas. Peut-être trop de damage réduce. Voilà. Oh là là, il a eu. Non, oui, si, peut-être un peu. Oh, il a voulu bouger dans le pressing. White Black a tenté de fuir le pressing, mais il n'avait pas fini de taper Goku. Et il reste plus que le Goku de White Black. Peut-il tout remonter? Peut-il remonter 3 persos à Sylvius? C'est pas. Pour l'instant, là, il goûte menthe, le pressing. Hey, pressing infini, casse-garde. Hey, casse-garde, il est positif derrière, on aurait dit. Hey. Oh là là, il tue pas. Oh là là, la tremblote. La tremblote arrive. Oh non. La remontée fiscale. Ouh là là. Oh, le casse-garde. Ouais, il garde bien la garde de Sylvius. La garde meurt, mais ne se rend pas. Oh, il a fait un arrière-truc. Téléporte, pour, il donne tout ce qu'il a. Le pif de Sylvius, on ne sait pas pourquoi. Peut-être pour barder des super et son Goku. Son Goku, non. Oh, ah oui, c'est bon, il a réussi à le tuer. J'allais dire, ouais, là qu'il lâche rien là. Ah oui, ah, non, mais lui, il lâche rien. Oh, cette level 3 au pif. Moi, à ce genre de moment, je serais du genre à paniquer, à me dire c'est bon, c'est fini. C'est ça. White Black est un grand champion de Marvel. Hein.
Donc, étant donné que ce jeu est assez proche de Marvel Captain 3... Ce que j'allais dire, on parle bien du 3ème. Oui, du 3, l'autre on ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas, je ne connais pas l'autre. Mais l'autre, il est stylé, les persos DLC sont stylés. Mais ils auraient dû être là Day One, je pense. Parce que Venom, il est stylé, hein. Moi j'aurais bien envie que t'as fait un Venom. Là, c'est le seul perso qui me donne envie d'avoir le jeu. T'as vu, on est d'accord, il est trop stylé. Oh là là. Ouais, ah c'est bon. Changement, le changement c'est maintenant. Ouh là, il a pris un truc. Ah, White Black là qui presse bien avec son Goku. Oh. Ah, le 4 garde. Oh là là, il s'est fait ouvrir. Oh, il est bien entré dans le match là, White Black, et tout de suite, il s'est ressaisi. Hop, casse garde, le lot, la variation. Aïe aïe aïe, ça sent la mort du Goku là. Et oh, il a fait le combo le plus simple du monde pour assurer la gagne, c'est bien joué. Et il reste Piccolo. Et c'est 21 pour Silvufu. Alors que le Goku a l'air motivado. Très prudent hein, quand même sur les dashs. Attention, oui, ça c'est positif. Faut pas bouger derrière. Tra 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 tra. Hop, patate super. Non, super fin, hein. Économie. Ouais, ils font que les super quand ça tue. Je pense que c'est ça le but. Voilà, là ça va pas tuer, donc il fait super comme j'avais dit. Celui qui dit n'importe quoi. J'ai compris maintenant, je sais. Oh là là. Oh le Gohan. Le bol de riz. Hop, hey, hop, pressing, tu vois, t'as vu, il a touché une fois dans la gare, il l'a emmené au coin. Et c'est là où c'est pété Gohan, non? J'ai remarqué qu'il le fait quand Gohan est dans le coin. Oh là là, il peut faire son. C'est quoi sa libération de potentiel, je crois, et ça fait rebondir l'adversaire. Ça permet à chaque fois de repartir. Ah, mais c'est la foire à la saucisse, ce perso. Hein. C'est le meilleur presseur du jeu. Voilà, tout simplement, je pense qu'on peut le dire. Non, je pensais que c'était celle le plus dangereux. Hey. Alors, Gohan, en fait, il s'arrête jamais. Il tape, il tape, il tape. Oh là là! Oh, le devant derrière du 1 qui est passé! Oh là là, ce serait magnifique. Il arrive à tout remonter avec Piccolo. Ouh là là, il donne tout ce qu'il a. Mais ça ne suffit pas là pour l'instant. Pressing infini. La garde. Le devant derrière qui passe! Oh là là, c'est bizarre qu'ils se prennent ça. White Black, c'est quand même une phase du live là. Il a jamais fait une super à la fin pour finir le taf. Il zone un petit peu, il attend peut-être le changement. Voilà, c'était cramé. Et là, s'il a pas bien puni le changement, et c'est la mort. Bra. Ah là là, Silvius. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Pour ou contre la VF à Dragon Ball sur celui-là? Pour, si c'est gratuit, moi je suis pour. Hein. Ouais, c'est. Il y a bien une comment ça une il y a une pétition il y a un doublage anglais alors pourquoi il n'y aurait pas un doublage allemand portugais malgache Son Goku en allemand voilà. Ah bah oui, je veux dire en russe c'est stylé, non en polonais c'est stylé. Tu regardais les animes en polonais sur la chaîne polonaise? Non. Ah mais c'était stylé parce qu'en fait il y a t'entends ça parle en français. Et t'as une voix qui raconte l'histoire. D'accord. En polonais. Donc t'entends la. Tu peux suivre en français et derrière t'entends un polonais qui. Il fait tous les persos, qui fait tout. Il fait le narrateur, qui fait tout. Il est. Voilà. C'est même pas du doublage, c'est. Il raconte en fait. Audio-description. Ouais, voilà, c'est ça. Ben, c'est archi stylé, hein. Ah oui. Oh là là, ça avait touché. Oui, encore une fois. Oh là là, il touche, mais il contre-prétise pas là, Silvius. Bien sûr, on est complètement complètement impartial, vu qu'on est pour Silvius. Oh, le casse-garde, pressing, la chope. Oh, c'était cramé. Hey. Voilà. Pressing dans le coin, et on est reparti. Oh là là, le pressing qui s'est fusé là par l'assist. Téléport qui se met dans le coin. Du coup, Silvius y retourne, mais trouve l'ouverture. Ah, est-ce qu'il peut le tuer là? Ah, je sais pas s'il pourrait le tuer. Ah, il a raté un petit peu son pressing là sur la relevée. Ah, il a voulu mettre une chope, mais White Black a bourré comme un bon français. Dra, pas de mind game ici. Oh là là, oui, il a esquivé. Hop, téléport. Et ça, c'est safe comme changement. Ouais. Ah, c'est bien ça déjà. Oh, c'est passé. Allez, tue-le.
Oh non, il a raté. Ah là 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 là. Ah Sylvius, oui, tue-le. Hey, voilà, c'est bon. Le Gohan, c'est déjà un gros morceau là enlevé de la team. On voit pas du tout qui tu soutiens. Ah, pas du tout, moi je suis impartial. Ah oui, oh dommage. Ah, la boule, oui, bien joué. C'est important d'être impartial quand même, c'est ça la beauté de l'e-sport. Oh non, fallait garder. Voilà. Oulala, je sens qu'il peut sauter quand même là. Non, c'est bon. Vous êtes la chope. Oh là là, c'est bien joué ça de White Black. Et là, il va mettre la max et c'est fini. Hein. Ouah, bra. Ah ouais. Bon, là, c'est 21, il est mort. Mais Sylvius, il y a deux persos partout, mais il a plus de barres de super. Donc potentiellement, il peut encore se refaire, mais bon. Il joue moins pété quand même, parce que... Par contre, lui, il prend ce truc là, à l'infini, White Black, c'est bizarre. Hein. On va prendre ce devant derrière du 1. Ah oui! Oh là là, il a tenté. La boule qui a tué la 6. Oh là là. Et White Black là qui trouve une ouverture sur un Piccolo qui whiff. Hop, la garde. Et la chope en mind game. Hey. Oh là là, je pense qu'il est mort là, le Piccolo. Non. Ah oui, c'est bon. C'est bon, il a réussi à fuir le coin. Oh non, il retourne. Non, ah. Oh là 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 là, il n'arrivera pas à poser les pieds. Oh, il reste plus que la C21, la 2 Sylvius, normalement. Et là, White Black, il est bien. Deux persos, la super. Ah non, elle est morte, la C21. Il reste plus que le Goku. Oh, il prend toutes les chocs de la Terre. Ah, qui se fait complètement mind-gamer. Allez, c'est pas le Kingu. Ah. Où c'est que t'es garé dans ce parking? Voilà, je fais la blague. C'est tout pour moi. Oh, les pressings infinis. Oh, il a piffé là-dedans. Quel homme. Et c'est fini. Ah, il va mettre la super, mais il va reprendre sa vie, Sylvius. Donc, c'est pas rentable a priori. Explicite lyrics. Voilà, oui, bien joué à la shop. Allez, on y croit, bordel. Hop. Voilà, un pressing U. Voilà. Oh non. Ah, l'ouverture, c'est la mort du champion. Le Gohan a fait. Sylvius. Ça va tellement vite, c'est incroyable. Sylvius qui a pris toutes les chopes de la Terre. Il a trop respecté et White Black a bien joué sale. En bourrant dans les chopes, lui. Là où Sylvius respectait trop. Et donc, c'est la visite des losers. La loser braguette. Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Je comprends pas. Je vois quelqu'un derrière l'écran et je vois Zou, il est là-bas. Je me dis, waouh, quel homme, il s'est dédoublé. En plus, quand on voit que le haut du front, c'est un peu le même sprite, tu sais, les lunettes et... Le don d'ubiquité. Il s'est fait... Ah, il a rebranché la caméra. Sylvius, oui, qui va en loser. Et là, donc, c'est quoi le prochain match? Miyakyo contre Krizax. Native TWF. Ah bon? C'est une team? Oh là, ah, et Frio est toujours là, hein, en loser. Il avance. Il va se taper contre Idan, qui a éliminé VHD. Fuajin est mort. Ok. Et Kuja. Et donc, en théorie, vu que Sylvius a perdu 2-1... Ah, ils ont écrit et tout. Attends, si je... Hop. Machin. Sylvius devra se taper contre Almay. White Black qui, donc, en demi-winner, je crois. Enfin, même si je comprends rien. Non, en quart de... Voilà, j'ai jamais rien compris au braguette. Il y aura Magic Rider Shenzo après... Ah, cool. Et là, donc Krizax Miyakyo. Très bien, Krizax, bien sûr, qui nous a déçus en lâchant Angel à KOF 14. Tu vois, il a même pas fait le tournoi à KOF 14. Ah là là, un traître à la couronne.
tellement déçu. T'as dosé un peu tout à l'heure, KOF 14. Ouais, je suis fait laver, on peut le dire. J'attends la mise à jour, bien sûr, la 3.0. C'est évident pour faire ressurgir le Technodrome. Il va y avoir vraiment beaucoup de changements sur... Oui, il y aura des nouveaux persos et tous les persos vont... Il y aura des nouveaux persos et tous les anciens persos vont être remis à jour, réajustés, rééquilibrés. Je vais pas me faire des amis à dire ça, mais je trouve ça rigide, KOF. Après, je suis pas un joueur de KOF. Aïe, attention. Attention. Et franchement, quand si moi j'essaie de jouer... Si tu veux, chez toi avec tes deux jambes. Bah, c'est pas grave, ma copine elle a le permis. Mais... mais... Faudrait qu'elle arrive à te porter jusqu'à la voiture. Hein. Oh, ça va, t'as vu ma carrure, s'il te plaît. C'est vrai. Moi, y a du vent, je m'envole. Je peux jouer à Dragon Ball, hein, moi, y a pas de problème. Moi aussi, je fais des doubles sauts. Ah ouais? C'est pas le souci. C'est une qualité, ça. Mais quand j'ai essayé KOF, quand j'ai profité de la sortie du dernier, bah, j'ai l'impression que c'est des semi-remorques, les persos. Ah bon? J'arrive Parce pas. Que tu joues à Guilty, tu joues à. Bah ouais, Guilty, tu joues à ça DBZ. Plus nerveux.